It's gotta be against the law to look this damn good. Cause baby, I feel real good and I wish I would. It's gotta be against the law to look this damn good. Everybody, watch out. Watch out now. I'm ready for a good time, and I came to groove. The whole band's here, and we came to move. Got a fresh haircut and two new shoes. We're here all night like we got nothing to lose. Coming out the jacket, cause we're turning up the heat. I wanna see you clapping when you get up out your seat. It's time to make it happen when we hit these streets. I'm coming in hot, and I can't be beat. Watch out now. Baby, watch out now. Watch out. I'm going up. I'm a man on a mission with no missions, and I'm looking for love. Oh, I'm just looking for love. It's gotta be against the law to look this damn good. Cause maybe I feel real good, and I wish I would. Where's the bread? There was some earlier. Yeah, well, now it's empty, so. Look, just check in the cupboard, will you, darling? Please, okay? I literally just did that, like, 2 seconds ago. I'm not stupid. Clément, speak kindly to your mother. Oh, come on! I'm sick of this place. Look, don't worry, honey. We'll find you some bread, all right? My class is starting in like, really soon. There you go, buddy. There's your answer. Zéro comme d'hab. Excuse-moi, juste, est-ce que je pourrais avoir une baguette, s'il vous plaît? C'est urgent. C'est... Bon. Bon, t'attends 2 minutes. Voilà, bah, 1 euro, s'il vous plaît. Bah ouais, bon. Je suis désolé. 2 secondes. Désolé. Putain. Va ramasser ton mégot. Mais doucement, meuf. Va ramasser ton mégot. Bon, j'y vais. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez me prendre, s'il vous plaît, en stop? Je dois juste aller au prochain camp. Ouais, vas-y. Rejoins la fête. Merci. Mais tu t'en fous de l'écologie. C'est toujours pareil avec toi. T'en as rien que pour ta gueule. Tu m'emmerdes! Arrête de me faire chier toutes les 2 minutes! Juste pour un putain de mégot! C'est ça, c'est moi qui emmerde, non, c'est toi qui emmerde le monde! Ça, on peut pas parler avec toi, hein. Ça sert à rien. Tu me cherches et après tu t'esquives! Là, je te préviens, la prochaine fois qu'on croise un pingouin, je lui fais bouffer! C'est moi qui esquive, c'est toi qui l'as fait monter, c'est toi qui esquive, arrête! Quoi, il fait du stop, il fait sa vie, il veut monter? Mais c'est clairement pas le moment! Bon, le moment, c'est jamais le moment. Je voulais pas m'énerver devant la petite, en plus, tu m'énerves vraiment, j'en ai peur, oh, c'est bon. Raté! Tu ressembles vraiment à ta mère. Oh, mais toi, mon pauvre, tu vas ramasser quand on arrive à la maison, mais laisse tomber. Je l'ai.
ramasser. Ah mais déposez-moi là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il dit, le manouche? Est-ce qu'on... Merci, merci. Ouais, vas-y, descends. Ouais. De tenter. J'en veux pas. Je me casse. Je veux respirer. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'emmener? Je dois suivre la voiture qui vient de partir, je dois la suivre à tout prix. Tu vas pas nous raconter ta vie, on y va, allez, monte petit. Merci, merci. Je vous remercie beaucoup, merci infiniment. Mais Marie, Marie, reviens. Je t'ai mis de la morphine dans ton thé comme tu aimes. Une baguette, s'il vous plaît. Bah non, mon gars, moi j'en ai plus, c'est fini, j'ai fini ma tournée, moi. Oh non, c'est pas vrai. Bah... Pardon, je voudrais juste un bout de pain. Mais non, non, il n'en est pas question. Mais même pas en rêve. T'as pas compris, on a fait l'étalage pour la fête. Oui, pas j'ai... pour que ça se passe. C'est super joli, vraiment. J'ai vraiment juste besoin d'une baguette, s'il vous plaît. C'est tout ce que je demande. Non, ça sera pas joli. Oust. Mais allez, dégage. Mais enfin, enfin, ça va pas. C'est la fête du pain, non? Enfin, le pain, on le mange, mais on le partage aussi. Mais moi aussi, je suis venu. Je suis venu ici parce que j'avais plus de pain à la maison. Ok, j'ai couru après cette foutue fourgonnette pendant 30 minutes. En pyjama et en claquette homard. J'ai traversé une manif de gens qui se battaient pour leur cause contre l'injustice et... Bah, parce qu'ils en avaient marre, mais je me suis pas arrêté. Je me suis pas arrêté parce que j'étais dans mon petit monde. Dans ce petit monde où ce qui comptait, c'était d'avoir un bout de pain à se mettre sous la dent avant mon cours de philosophie. Puis j'ai couru à travers un champ, j'ai fait du stop, y a des gens qui m'ont pris et eux aussi, ils avaient des problèmes mille fois pires que les miens. Mille fois pires. Et finalement, j'ai pu venir jusqu'ici grâce à une dame qui avait quatre fois mon âge, qui s'est échappée de chez elle en moto. Enfin... Elle s'est échappée, elle en avait marre de sa vie, elle en avait marre de sa vieille maison. Elle a pris son destin entre ses mains et elle a foncé à toute allure. Je crois que j'ai compris que moi aussi, j'ai la force de résoudre mes problèmes. On a tous cette force. Je pense que si on veut, on peut. Et si on peut, on doit. J'ai besoin d'un peu de pain pour aller faire mon cours qui va bientôt commencer. S'il vous plaît. Merci, merci beaucoup. Merci infiniment.
Aujourd'hui, nous parlons de l'effet papillon. Comment de petites choses peuvent changer le monde ?